Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, la nouvelle Peugeot 308 SW de troisième génération, le break compact qui vient d'être dévoilé et qui sera commercialisé en France à partir de janvier 2022, affronte sa principale rivale, la Volkswagen Golf 8 SW, qui est disponible sur le marché français depuis le mois de décembre 2020. Autant la nouvelle Peugeot 308 berline veut rivaliser avec les berlines compact premium, BMW série 1, Audi A3 et Mercedes Classe A, autant ce n'est pas vrai pour le break car tout simplement il n'y a pas de break compact premium. Elle aura comme concurrence donc cette Golf 8 SW, un modèle purement généraliste. Pour autant, la 308 SW reprend évidemment le museau de la berline avec un long capot, la nouvelle grande calandre qui est imposante et qui arbore le blason avec le nouveau logo Peugeot. Un logo que l'on retrouve aussi au niveau des ailes. Alors, c'est uniquement ici sur les versions GT et GT Pack. La berline et le break partagent la même carrosserie jusqu'au pied milieu. Et puis, évidemment, pour gagner au niveau en économie d'échelle, au niveau industriel, on a la même peau de portière, donc la même partie basse. Et comme le break a un empattement qui est un peu plus long de 5,5 cm que la berline, et bien on le voit ici avec une pièce de tôle. Il y a également des surprises au niveau de la poupe de cette 308 SW qui reprend au passage les mêmes feux que la berline, mais ils ne sont pas mis en scène de la même manière. Vous noterez qu'il n'y a pas de bandeau noir entre les feux. En revanche, les designers se sont fait plaisir. Ils ont apposé un béquet qui fait écho au béquet de toit, un béquet un peu en forme de queue de canard qui pourrait rappeler certaines réalisations Aston Martin. Et là, c'est plutôt du bel ouvrage. Cette nouvelle Peugeot 308 SW a une longueur de 4,64 m. Sa rivale, la Golf, lui rend 1 cm. Elle fait 4,63 m et pourtant, elle paraît plus longue, tout simplement parce que ses formes sont plus pures. Elle a été étirée, elle a des lignes très droites, une poupe qui est plutôt cubique. Et puis, évidemment, la Golf 8 se traduit à l'avant par un museau avec des feux particulièrement ouvragés. On ne peut pas la confondre avec la génération précédente. Il y a les fameux phares Ecolite matriciels qui peuvent éclairer le haut de la calandre. Et puis à l'arrière, on a des feux qui sont avec un décroché qui n'est pas sans rappeler ceux du Volkswagen Tiguan. Alors évidemment, comme ça, on ne confondra pas la Golf SW avec sa grande sœur, la Passat SW, de la même manière qu'on ne confondra pas la Peugeot 308 SW avec sa grande sœur, la 508 SW. À bord de la Peugeot 308 SW, on retrouve sans surprise l'univers de la berline qui est apparu en début d'année, avec le fameux high cockpit cher à Peugeot, évidemment modernisé, avec une dalle d'un fort beau graphisme d'une diagonale de 10 pouces devant le conducteur, également un écran tactile de 10 pouces très réactif au sommet de la console centrale. On a également, ce qui est nouveau, ces fameuses touches tactiles qui permettent de paramétrer des raccourcis et donner des accès directs à l'écran tactile. Au niveau des rangements, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette Peugeot 308 SW, avec ici un logement pour recharger un smartphone par induction, un profond bac à côté du sélecteur de vitesse, et ici deux portes gobelets qui sont dissimulées sous un volet coulissant. Ça, c'est une recette qu'avait la Golf pendant de nombreuses années. La nouvelle Golf ne l'a plus. Sous l'accoudoir, on a également un bac qui est assez profond, moins profond sur les versions hybrides rechargeables parce qu'on a la batterie à cet endroit-là. Et puis sinon, la présentation est assez futuriste et c'est plutôt une bonne chose. Si la Peugeot et la Volkswagen ont des capacités d'emport sensiblement équivalentes, au niveau de l'habitabilité, c'est pas tout à fait la même chose. Dans la 308 SW, on a des dossiers qui sont plus verticaux, des assises qui sont assez planes, plus courtes, et donc on a un peu moins de place et un peu moins d'aisance que dans la Volkswagen. En revanche, on a cette console centrale avec de la climatisation et des prises USB qui est aussi un peu proéminente et qui pourra gêner le passager qui est assis à la place centrale. À bord de la Volkswagen Golf 8 SW, on retrouve évidemment le mobilier de la berline, une 8e génération qui marque une rupture avec les devancières par un environnement 100% digital, une interface numérique de 10 pouces de diagonale devant le conducteur, suivi en enfilade d'un écran tactile également de 10 pouces. Tactile, c'est vraiment le maître mot à bord de cette Golf. Tout est tactile au niveau des commandes de phare, au niveau des réglages de climatisation, même au niveau du réglage du volume audio. Donc au début, il faudra s'y habituer. C'est un petit peu complexe à manipuler, mais après, une fois qu'on l'a en main, c'est parfait. Au niveau des rangements, il y a moins d'espace que dans une 308 SW. On a quand même ici un logement pour pouvoir recharger un smartphone par induction. À côté du levier de boîte de vitesse, on a un petit rangement qui est forcément plus petit que celui de la 308 SW, deux portes gobelets ici, on voit que le fameux logement avec un couvercle coulissant a disparu.
En revanche, là où la Golf tire son épingle du jeu, c'est ici, avec un accoudoir coulissant et réglable en hauteur, c'est un plus au niveau de l'ergonomie. À l'arrière de la Volkswagen Golf 8 SW, on est quand même mieux installé que dans la 308, car on a des dossiers qui sont davantage inclinés, une garde au toit meilleure parce que le pavillon est beaucoup plus horizontal, et on a également davantage d'espace au niveau des jambes, et pour finir, une assise qui est un peu plus longue. En revanche, on a un tunnel de transmission qui est imposé sur les versions notamment All-Track, la Golf SW qui est grimée en SUV, et puis sans doute aussi pour la future Golf R SW qui elle aura également une transmission intégrale. Allons maintenant voir le cœur du sujet, le volume de chargement qui est très important pour les breaks. Alors, nos deux protagonistes du jour se marquent à la culotte. On a une capacité d'emport qui est comprise entre 608 et 1634 litres pour cette Peugeot 308 SW. Au niveau de la Golf, c'est de 611 à 1642, donc c'est quasiment la même chose. En termes de fonctionnalité, on a exactement les mêmes agencements. Un cache bagage souple en rouleur qui se replie automatiquement. On a un hayon à ouverture électrique en glissant le pied sous le bouclier. Double fond. Alors le double fond, il sera occupé sur les versions hybrides rechargeables par les batteries, donc on perdra environ 60 litres de chargement. Et puis au niveau de la modularité, c'est très simple, des tirettes ici et ici pour faire basculer une banquette dont les dossiers ont une architecture 40-20-40, autrement dit une trappe à ski. On a systématiquement la même chose dans la Golf, avec juste un cache bagage qui s'ouvre en deux parties, donc un premier temps, un deuxième temps. Là, on a un double fond qui est beaucoup plus marqué, un plancher plat ou alors un vaste bac de chargement supplémentaire. Pour l'instant, il n'y a pas encore de version hybride rechargeable dans la gamme de la Golf SW, mais cela ne saurait retarder. Et puis, on a les tirettes pour rabattre la banquette qui, elle aussi, bénéficie d'une trappe à ski. La palette des motorisations de la Peugeot 308 SW s'articule autour de deux blocs essence, le 1.2 PureTech décliné en 110 et 130 chevaux. Il y a une unique version diesel, le 1.5 GHD 130 chevaux, et s'ajoutent deux versions hybrides rechargeables dont les puissances cumulées sont de 180 et 225 chevaux. Au niveau de la Volkswagen Golf, la palette est un petit peu plus étoffée. On a en entrée de gamme essence le 3 cylindres 1 litre TSI de 110 chevaux. Vient au-dessus le 4 cylindres 1 litre 5 TSI en 130 et 150 chevaux. Deux versions diesel, le 2 litres TDI en 115 et 150 chevaux. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de version hybride rechargeable dans la gamme, contrairement à la berline, mais ça ne devrait pas tarder. Et on s'attend logiquement à des versions de 204 et 245 chevaux. Et il y a également une version qui n'a pas d'équivalent dans la gamme Peugeot, c'est la Golf SW All-Track, la version baroudeuse avec l'accastillage de SUV, la transmission 4Motion intégrale et un bloc 2 litres TDI de 200 chevaux. La Peugeot 308 SW adopte un positionnement tarifaire plus agressif avec un prix d'appel de 25 800 euros. La Golf étant la référence, elle peut se permettre d'être un peu plus onéreuse, en témoigne un prix d'appel de 29 345 euros. En revanche, pour ce qui concerne les versions hybrides de cœur de gamme, il faudra compter pas moins de 40 000 euros. Au terme de ce match, cette Peugeot 308 SW nous a fait plutôt bonne impression et dire qu'initialement, elle a failli ne pas voir le jour. C'est grâce à la demande des marchés italiens et surtout allemands que Peugeot a donné suite au projet de ce break compact. Alors pour séduire la clientèle d'Outre-Rhin, elle pourra miser autant par sa plastique dynamique que par son aspect volumique qui, comme on l'a vu, a été calqué sur celui de la Golf. Cette dernière ripostera avec un style beaucoup plus sobre, une palette de motorisation plus étoffée, et puis elle le fera payer un peu plus cher. Nous, ce qui nous reste à voir, ce sera les essais dans quelques mois pour pouvoir juger du toucher de route typique des Peugeot. On nous dit pourtant qu'elle serait plus typée confort que dynamisme, donc ça, il faudra voir par la suite. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook, et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.